Salut à tous, bienvenue sur Acharné. Bon, ça fait un moment qu'on a un peu délaissé YouTube, donc bon, déjà désolé. Ah, excusez-nous. Hein. C'est ça, bonne année déjà. Bonne année. on vous promet pas de pas recommencer, mais. Mais voilà. On va essayer de pas recommencer en vrai. Voilà, bref, on en avait besoin, voilà, entre guillemets. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo autour de la méritocratie. Bon, vous allez un peu voir ce dont on va parler. Et bah, sinon, n'oubliez pas de rester acharné. Abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, du coup. Et bonne soirée pour la vidéo. Bah, premièrement, déjà, c'est quoi la méritocratie? Je vais essayer de vous expliquer ça brièvement. C'est un système où pouvoir et privilèges sont obtenus par le mérite, tout simplement. Mmh. C'est en gros le fameux « quand on veut, on peut ». Mais nous, ce qu'on se demande justement avec Maxime, c'est est-ce que c'est vrai? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Non. Voilà. Enfin, en tout cas, pas totalement. Pas totalement, ouais. Pas totalement. Et pourquoi tu penses ça, toi? Bah, parce que, comme on dit, la réussite vient de plusieurs facteurs. Bah, déjà, on commence pas tous égaux, entre guillemets. Ah ouais. Bah, justement, c'est ça, en fait, la méritocratie, tout simplement, bah, se repose sur l'égalité des chances. Ouais, voilà. Et effectivement, comme t'as dit, bah, c'est faux parce qu'on commence pas tous avec, entre guillemets, les mêmes chances. On n'a pas les mêmes ressources financières, on n'a pas le même capital social, exactement, économique, voilà, ou bien culturel, tout simplement. Mm-hmm. On ne va pas comparer, par exemple, une personne qui est née, entre guillemets, dans les quartiers chics de Paris et quelqu'un qui est né dans les, tu vois, dans les, entre guillemets, les, dans le ghetto, quoi. Ouais, voilà, tu vois, elle n'a pas, voilà, pas la même chance. Elle commence pas à la même, il ne commence pas au même départ. Mm. Et ouais, tout simplement, c'est-à-dire que, bah, comme on l'a dit, bah, cette méritocratie, justement, elle a ce truc de un peu, entre guillemets, de faire confondre les réalités aux gens. Ouais. Parce qu'elle te fait comprendre, en gros, que ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont le plus travaillé, et que ceux, justement, qui ont raté, à l'inverse, bah, c'est ceux qui ont le moins travaillé. Ouais, c'est qu'en gros, enfin, ça t'explique que si tu travailles, tu vas réussir. Obligatoirement, c'est ça? Exactement, ouais, bah, c'est ça que. Bah, c'est ça. Parce que, heureusement, c'est pas le monde dans lequel on vit. Hein. Bien sûr, c'est une partie émergée de l'iceberg. Ouais, parce que pour une personne qui a réussi, combien derrière ont échoué? Bah, comme on disait, bah, dans les centres de formation. Voilà. Dans le sport, il n'y a que, entre guillemets, 2% des personnes qui réussissent. C'est-à-dire que même pas, on ne va même pas parler d'Mbappé parce que c'est trop. Des personnes qui sont en Ligue 2, qui sont avec le dernier, qui joue avec Rodez, le défenseur central qui joue là-bas. C'est le pourcentage de personnes qui sont à sa place là, c'est combien? C'est ça, c'est peu, mais juste dans le basket, tu vois. Mm. Donc tu mets deux mecs, tu mets un mec d'1m96 qui s'est entraîné vite fait, et un mec d'1m70 qui s'entraîne toute sa vie, mais le mec de 96, il a plus de chances que Percy. Voilà, on dit largement, pas que ceux qui ont réussi n'ont pas travaillé. Bon, des fois, dans certains cas, mais voilà, en général, mais ils ont travaillé, mais je suis sûr qu'ils ont peut-être moins travaillé que la plupart des gens qui n'ont pas réussi. Et comment ça s'appelle? Mais ouais, quand on dit qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, c'est selon là où tu veux réussir, il y a plusieurs. Comment dire ça? Il y a plusieurs codes qui font que des personnes sont plus avancées que toi. Et ça, tu ne pourras rien y faire. Peu importe le travail que tu mets et tout ça, tu ne pourras rien y faire, ça. Ouais, c'est des choses que malheureusement on ne choisit pas. Par exemple, si je reviens avec l'exemple que j'utilisais tout à l'heure, si par exemple on est descendant d'une bonne famille ou derrière nos parents ont un certain réseau, connaissent certaines personnes, voilà, ce qui fait que voilà, par exemple, ils ont investi sur nous, ce qui fait que par exemple, à 18 ans, on va avoir, je sais pas, par exemple, une certaine somme sur notre compte qui pourra nous permettre de nous lancer dans l'entrepreneuriat. Justement, via nos parents, on aura déjà un certain réseau qui fera qu'on pourra avancer dans la vie. Bien sûr. Tu vois, il y a certaines choses qu'on ne contrôle pas. Alors qu'à contrario, notre personne qui a 18 ans vient d'une famille modeste, qui n'a rien, qui commence de zéro, qui n'a pas de compte avec quelque chose pour commencer, et doit justement se débrouiller d'elle-même, tu vois. C'est ça, mais de toute façon, tout simplement, quand tu viens de bonne famille, entre guillemets, en soi, ton avenir, il est déjà tracé. C'est-à-dire que tu sais déjà ce que tu veux faire, et en vrai, si t'as vraiment envie, tu vas le faire. Mmh. Alors que les personnes qui viennent, tu sais, de quartier, de ça et tout, en vrai, tu sais jamais vraiment ce que tu veux faire, tu vois. En fait, t'en as peut-être l'envie, mais c'est dur. C'est dur, c'est dur. Les études, ça coûte de l'argent, voilà, du temps. Et tu sais, souvent, ces personnes-là, tu sais, ils ont pas forcément le pouvoir de se concentrer que sur eux-mêmes, ouais, tu vois. Parce que malheureusement, on n'est pas tout seul dans le même bateau. Voilà, il y a des personnes, faut aider dans la famille, faut aider ceci. Ce qui fait qu'il y en a des fois, ils débouchent sur de l'alternance ou ils arrêtent assez tôt. Ouais, parce qu'ils sont pas tout seuls dans le même bateau. Ils disent, est-ce que le jeu vraiment vaut la chandelle? Est-ce que si je vais en master, bah, le temps que je perds, là j'ai 18 ans, là. C'est ça. Peux commencer à travailler, à peut-être gratter 1008, 2000. Est-ce que les 3-4 ans que je vais perdre,
Est-ce que ça en vaut le coup? Voilà. Et quand il faut les calculs, c'est que... Parce qu'il y a même une étude qui est sortie que si à 18 ans tu travailles, tu fais 2000 euros, et une personne, après son master, commence à travailler et fait même 4000 euros, il y a une étude qui est sortie qui montre que si tu as bien fait les choses, la personne, même si elle prend 4000 euros, elle ne rattrapera jamais le retard que tu auras fait. Ouais, c'est ça. En gros, le truc qui sera comblé entre vous deux. Mmh. Après, bon, ça, c'est... Ouais, c'est une étude comme c'est, ça. Oui, hein. Après, c'est comment tu utilises ton argent et tout. Voilà. Ça, c'est un autre sujet encore. Ça aussi, c'est un autre sujet. Encore, ouais. Et bien sûr, on a oublié de parler de ce fameux sujet qui est, entre guillemets, la chance. Tu vois, dans la majorité de personnes. C'est être fort au bon moment, être là au bon moment, rencontrer la bonne personne au bon moment. Tu vois, ça, c'est vraiment un facteur qui est quand même énorme. Exactement, c'est comme on dit, c'est tous les facteurs qui rentrent en jeu pour la réussite. Mmh. Parce que, par exemple, il faut faire un match à ce moment. Par exemple, on va prendre une personne A, une personne B, la personne A va être plus forte que la personne B. Mais on va prendre un exemple, le jour où le recruteur est venu, la personne A était blessée, la personne B était là. Un bon match. Alors que sur toute l'année, c'est la personne A qui est plus forte que la personne B, mais elle a fait ce qu'il fallait au bon moment, quand il y avait la personne, et du coup, ça va être la personne B qui va être devant lui, tu vois. Bien sûr, comme on a dit, il y a ce facteur chance. Et justement, ce qui est intéressant avec ce concept en gros de méritocratie et de chance, ça te permet de comprendre que faut avancer tout en sachant qu'il y a la possibilité justement de rater. Voilà. Mais c'est pas pour autant que faut pas se la donner, se mettre en mode acharné et tout. Non. Faut se donner à fond. Faut se donner à fond, bien sûr. Encore une fois, on vend pas du rêve. C'est pas parce que vous allez travailler que vous allez forcément réussir. C'est pas parce qu'on fait des podcasts que ça va forcément marcher. C'est ça. Mais faut le faire. Comme ça, à la fin, tu diras, j'ai essayé. Voilà. Et peut-être que ça, justement, ça va m'ouvrir d'autres portes dans quelque chose d'autre. Voilà. Donc, je n'imagine même pas l'existence. C'est ça. Hein. C'est-à-dire que ce concept de méritocratie, pour moi, il est un peu biaisé. Et porte un peu à confusion parce que c'est un moyen un peu de se réfugier parce qu'il y a même un auteur qui a dit que justement la méritocratie c'est la bonne conscience des pauvres entre guillemets parce que ça permet de ceux qui ont réussi justement de se cacher sur ce concept de mérite qui est complètement faux. Ça, après en soi il est aussi un peu bénéfique parce que tu vois ça donne un peu d'espoir tu vois personne donc ça a un bon côté mais le problème c'est que comme on a dit c'est qu'il faut prendre en compte le facteur risque. Bien sûr, tu vas pas forcément réussir, tu vois. Ça peut ok, t'es motivé, mais quand tu prends l'échec en face, ça peut vraiment pas être au fond, quoi, tu vois. C'est pour ça que justement, faut mettre des plans d'action, faut savoir travailler intelligemment et pas n'importe comment pour pouvoir justement maximiser ses chances. Parce que c'est pas parce que tu passes 3 heures à réviser que t'as forcément bien révisé. Bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire que c'est. Il n'y a pas de méthode miracle. C'est chacun, faut que chacun trouve comment il marche, tu vois. Pas de méthode miracle. Ouais, faut pas se conformiser forcément à ce que la société veut. C'est pas parce que l'un a fait ceci que tu dois faire ceci, non. Je dois faire ceci, ça n'a pas marché, je vais te dire, mais pourquoi? Parce que, c'est comme ça. La vie, elle est pas dictée, la vie, c'est... En fait, faut faire par rapport à ce que t'as. C'est s'acharner, faut faire du mieux que tu peux avec les ressources que t'as. Ouais, voilà. Comme ça, à la fin, tu te diras, tu veux que je fasse quoi de plus? C'est ça, c'est chacun son histoire. Donc, Le but, c'est de pas avoir de regrets, c'est tout. Hein. Parce qu'il y a tellement de possibilités aujourd'hui, on le dit assez souvent, il y a tellement de possibilités aujourd'hui réussir et de s'éviter certains pièges de la vie que ce serait bête de pas les saisir, justement. Ouais. Et voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour par rapport au sujet. T'as un truc à rajouter? Non, c'était bon. Merci, c'était le comeback. Abonnez-vous, montez dans l'ascenseur, partagez. Et restez acharné, tout simplement.